Un jour, un groupe de promeneurs voulait absolument atteindre une destination et, lors du voyage, découvrir qu'ils pouvaient prendre un raccourci. Alors bien sûr, c'était très intéressant, mais il y avait un panneau interdit de passer par ce champ. Ils regardent à droite, à gauche, personne ne les surveille, et le chemin n'est a priori pas dangereux, ils traversent le champ. À la sortie de celui-ci, le paysan furieux arrive et leur dit « Mais vous n'avez pas vu, il était interdit de passer par là ». Les hommes le regardent et lui disent « Mais nous n'avons rien fait, nous avons juste pris un raccourci, il ne s'est rien passé ». Cet homme les ramène en arrière et leur dit « Regardez, j'avais planté ici des graines, et maintenant vous avez piétiné, et elles sont totalement impropres. Que vais-je faire ?» Et oui, en effet, dans l'existence, nous prenons parfois des chemins, nous prenons des raccourcis. Et nous oublions que dans ces raccourcis, parfois, nous pouvons faire beaucoup de mal, même si nous ne le réalisons pas tout de suite. C'est ce qu'on appelle peut-être parfois aussi des dommages collatéraux. Oui, bien sûr, le but à atteindre est atteint. Nous sommes heureux, nous sommes arrivés à destination. Mais parfois, à quel prix ? Et quelles souffrances et quels dommages nous avons générés autour de nous. Alors soyons vigilants, même si le but à atteindre est extrêmement élevé, est extrêmement beau, est extrêmement passionnant. Regardons si le chemin que nous prenons pour l'atteindre n'est pas celui dans lequel nous risquons de faire souffrir d'autres personnes. Et à partir de cela, faisons preuve d'un peu plus de vigilance.